c'est monsieur Mohamed. On a un lèse terrible. On va le voir. Merci Aya. Hymne national. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier de vous être mobilisés aujourd'hui pour discuter à bâton rompu avec moi sur la problématique du marché central. Moi, je vais vous dire comment est-ce que j'ai ressenti, comment est-ce que je le comprends. J'ai au départ fait un constat, je crois que c'est le même que tous, il y aura peut-être personne dans cette salle qui dira le contraire, c'est que la place qu'occupe le marché central est immensément sale. Elle est vraiment dans un état de délabrement total, avancé, au point même que c'est dangereux pour la santé de nos concitoyens et même de tous les consommateurs, parce que c'est là qu'il y a une grande partie de produits qui sont vendus à la population, des denrées alimentaires. Et donc là, c'est très dangereux pour la santé. Donc nous sommes d'accord. Ensuite, j'en parle une fois au gouverneur, il me dit, il m'apprend qu'il a un projet de reconstruction d'un nouveau marché. Pour moi, c'est une idée louable, parce que comme je vous l'ai dit, c'était incroyable. Et d'ailleurs, dans la foulée, il m'apprendra qu'il y a des artères entières qui sont totalement bouchées. La circulation est devenue impossible de ce côté-là. D'accord. Alors, lorsqu'il prend cette décision, malheureusement, on est frappé par la Covid-19, la pandémie, qui nous oblige, selon les avis des experts, de confiner la commune de Gombe. Donc,
aussi le marché central. Et c'est là que je commence à entendre des sons de cloche que je me dis, c'est une mesure qui a été prise pour protéger la population. On ne peut pas laisser, connaissant la concentration des gens sur l'espace marché central, on ne peut pas les laisser continuer. La COVID menace la planète entière et ce n'est pas ici au Congo qu'on va chercher à la guérir. Donc, je demande qu'on maintienne cette décision jusqu'à la fin du confinement. Et lorsque le confinement s'est terminé, je pensais que le problème de protestation allait s'arrêter, mais non, à ma grande surprise, cela a continué. Et c'est ainsi que j'ai interpellé le gouvernement pour savoir, mais finalement, c'est quoi cette affaire? Alors, on me parle d'un monsieur libanais, je suppose que c'est vous, qui a construit sur des collecteurs d'eau et de d'eau usée, et donc cela cause beaucoup de dégâts à l'environnement et empêche évidemment les gens de vivre normalement, donc comme par exemple avoir des sanitaires décents qui pourraient leur permettre de faire leurs besoins physiologiques. Et bien, tout ça, ce n'est plus possible dans cet espace du marché central. Cela m'a heurté. Je me suis dit, c'est pas possible. Des êtres humains ne peuvent pas, même si c'est vrai qu'ils viennent pour travailler, etc., gagner leur vie, on ne peut pas les mettre dans cette condition-là, dans ces conditions-là. Donc il fallait faire quelque chose. Et donc j'ai envoyé mes propres collaborateurs, qui sont des anonymes, pour voir, parce que j'avais deux sons de cloche différents, selon que j'écoutais le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ou le gouvernement. J'ai voulu me faire ma propre opinion en envoyant mes propres collaborateurs. Et c'est ainsi que j'ai décidé, après le rapport qui m'a été fait, je ne vous le dirai pas ici, parce que je veux d'abord vous entendre, j'ai décidé de vous entendre. J'espère que toutes les opinions sont ici, comme a dit le gouvernement. J'espère qu'il y a les pour la fermeture et les contre la fermeture du marché. Je veux que chacun des deux camps s'exprime librement, sans peur de qui que ce soit ici, et qu'ils disent de manière ordonnée, sans passion, quelles sont, selon lui ou elle, les raisons positives de la fermeture et négatives de la même fermeture. Donc, après vous avoir entendu, j'aimerais entendre M. Hassan, c'est ça, aussi, parce que vous êtes cité dans cette affaire, parce que j'ai aussi des questions à vous poser. Voilà. Alors, on m'a dit qu'il y a des syndicats ici. Ce sont les syndicats de qui, de quoi? Des vendeurs ou des administrateurs? Vous êtes syndicat de quoi? Présentez-moi un peu, oui, monsieur le gouverneur, présentez-moi ces syndicalistes-là. Likamboni, Mipenza, Ezo, Salema, Awa, Nazando, Oyamonene. Ouete, Zando, Yo, Nga, Nazaramo, Namoke, mais naïe bien mon malam, nazara koya otika maman, ao. Tozo ya makambo ya babalabala bloqué, ya basalite pour les alarate. Tozo tambo la nazandoana, to tambo ina maman, asombi babiloko, bana bazagiwana bazo, mema, ti na motuka, motuka pe, tozo gareka ka pembe nazandoana, bokatika babala bokoti nazando. Makamwana babsinga ke esila, zando ekoma na sanite moko moyente. Alors, ngai na koki ko permettre ba ndeko nanga ba congolais ba vivre na ba condition ya ndeko wana te. Na boite biso banso esengeli toluka tosala mombongo mpona bao bazosala mombongo ko gagner vie na bango kofuta ya bana classe ba soins de santé na boite. Mais quand même il faut pe tout ya bino na ba condition malamu eza mosala na biso ba autorité ezali ya kotia peuple na ba condition ya bien. Alors, idée, Oyo, il y a gouverneur, il y a Kokanga, il y a
kobuka kosala zando asika pona ngaza ide malamu na boterano mais eloko kamwisi ngai naza koyoka bande kona biso bazali koboya ide wana yango na ye pona na yoka bino boyebisanga tina nini bozali koboyela proposition malamu ndenge wana. Alors, ce qui vous a dit, n'a pas raison, on a évité, on peut s'en aller. Ce qui n'a pas dit que vous avez raison, il y a solo, il faut télémis à ma camion, et continuer, n'est-ce pas, et Zalaki Liboso, mais on a, vous pouvez s'en aller alors, et à nous, dans les Cambo et Tali, vous pouvez na kati ya marché. Pour continuer, vous dites cabino, vous s'en aller condition en athé. Gaïso n'a pas dit qu'il y a un peu de temps, c'est impossible. Zando, il faut que nous ayons un peu de temps. Il y a un peu de temps, la catégorie de la population. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Donc, il y a un peu de temps. Polele, mutoa banga moninga wazati, oya banga moninga wazati. Papa, mama, zwa courage na yo loba. Nga nazali awa pona kobate la bino. Mutoa kosa bino loko awa azati. Aza la ministre, aza la gouverneur, aza la aner, aza la général ya police, toya. Et loko te, mutoa kosa ya bino loko awa azati. Moi, je suis là pour vous protéger. Bo loba, naza ko loka bino. Bon, il va marcher. Oui. Mais il faut ça, là, quand on va marcher. Non. Il faut que vous vendez. La chef à quartier. Moi. La chef à quartier. Il faut que vous vendez. Il faut que vous vendez. Il faut que vous représentez le quartier de Tchapu-Tchapu, la commune de Balumbu. Il faut que vous vendez combien de temps? Combien? Souhaitant là en tant que administrateur du grand marché, n'a souhaité que Zavo Mégué au Tupoloba et comme il a été délabrement avancé par Tongalabiso Zavo Yassita. C'est ça un peu la vie dans ma vie. Ok. Pourquoi, Excellence Narobi, Zandro Lelo est coquissé 50 ans d'âge. Et dans 50 ans d'âge, Zandro, Basalaki en mot seulement, ça ce sont des techniques sur le plan technique, et Zalaki Pona, 3500 commerçants. Et dans le Basalaki par bâtiment, Lelo actuellement, les revendiques dirigés, Zandro, Tokomagi, tout au plus, dans 15 000 commerçants. Donc, un commerçant, un bimaki, mini, un ibanda, un zando, qui est basé à la source, parce qu'il n'y avait plus de place. Ce que je dis, c'est que du côté sanitaire, n'est-ce pas flamand, tu n'as qui toilette, à ton aigle, un bâtiment, et à côté, un bassin, à côté, un bimaki. Et comment qui est impraticable, ça c'est un. Et de deux, et comment qui, normalement, nous demande comment qui plus par rapport à mon préalable. Le 3, ce que tu as bâtiment, c'est comme qui, et comme qui, vraiment l'état de délabrement total. La fissure et ça l'a mis dans le bâtiment. C'est comme ça que, à mon avis, de préférence, pas quand on a un mot, tout ton cas, Zando Yastika, peut permettre à commerçants n'y en sont pas quota à Katikati. Bon, est-ce que décision, il y a Kotonga Zando Yastika, tant que le gouverneur a dit un mot, Bino Bozaki associé à la décision? Oui, il nous avait associé d'ailleurs pour Bissot Salina qui est état des lieux et à marché central, Nengekomagi, parce que nous avons qui commande il y a, en tant qu'administrateur gérant en 2018. Et tout à l'heure qui est état et à marché Nengekomagi,
et comment ils ont créé leurs problèmes. Au taille même des eaux usées, et comment ils ont les canards. Parce que même la maison environnante, comment ils ont les canards, comme la petite, même au Lomoli, donc moyen pour gérer maintenant salubrité et salarité. C'est comme ça que les gens qui m'ont causé la vie, à Talanini Nakoki, pour qu'on puisse la vie se trouver, même du côté gestion financière et du côté gestion. Donc, il n'y a pas que gérer mon marron, parce que comment est-ce que c'est ça, par rapport au nombre de commerçants et par rapport à l'état technique qui a marché sans doute. On t'a envoyé une zone de l'économie à plus. Quand on côté des villes, à 5 contrats, leur société est sans support. On a dans la cour du président national des syndicats. On a dit que le président n'a pas à faire une voie à marcher par la main. Son exemple, c'est la ville de la ville. La ville a dit que c'est un contrat, la société est sans support. Par exemple, on a dit que c'est un contrat, la ville est sans support. La ville est sans support. La ville est sans support. La ville. La modernisation doit se faire par la présence de la République en respectant la procédure. Si la passation des marchés, les commerçants seront d'accord. Mais ce qui est comme ça, la parole est que c'est le gouverneur de la République de Kinshasa. Alors, ça, on a dit que c'est le gouverneur, mais a décidé en tant que gouverneur et qu'il est soutenu par. Et il est soutenu par les différents mouvements de population à Zambou-Nyokwama. C'est pourquoi les syndicats nous accordent cette procédure, cette manière, il y a aussi la Litangouana. Bon, donc on a nous poussé, yo, on a nous compte que Baton Héro va s'y gâter, mais le problème n'a eu qu'à ma condition, on va dire que la vendeur, l'héro en attendant, marcher à ses gâteaux. Et puis la procédure, ma fait les Aouti. La procédure est annulée. Yo,
Nyangi Céline Naza vendeuse dans le marché central, Nazaki na pavillon 5. Oyo ezali carte nangai na futaki patente. Donc la tosta ba patente et taki ba commerçant. Dans le grand marché. Et quand ba longoli biso tant ngai na futaki na marché Kabinda. Ba pesa ki biso laxi oyo, ba pesi yo ba jeton oyo za na droit ya table. Gratuitement, mais il faut que ça batte. Étalage. Mais tous à coup, depuis le confinement, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il faut marché à Kalembele, mais il n'y a pas pour la nini, il n'y a pas de cocotte. Tellement que le baboy cocotte vend des affaires de l'unité, il n'y a pas de mille, il n'y a pas de mille. Bon, selon vous, il n'y a pas de cocotte. Parce que l'idée de la mission est tellement que le mécénat est à côté de la pavillon 5, pour la mission de la marché à Tokéi, côté la terre, n'est-ce pas qu'elle a la pavillon 5. Et puis, père, ma chère Zani, il dit que c'est un peu de Zani. Tu as évité, c'est un peu de Zani, tu as un peu de Zani. Père, ma chère Zani, information de la position, c'est un peu de Zani, c'est un peu de Zani. Donc, l'information est circulée. C'est un peu de Zani. Oui, c'est ce qui va se construire, tu as construit, mais père, il a dit que c'est un peu de Zani, tu as un peu de Zani. Oui, c'est ça, c'est un peu de Zani, mais père, il a dit que c'est un peu de Zani, tu as un Na wende depuis 1972. Tofanda wana roi boto aleka na plateau. Aleki po balabala ezaka. Mais ça ça ayaka na zambe depuis to yokaka disolonye papa gentiment ayi aleki bandele ko mama. Akoma ko pesa bato mbongo. Même na biso zwa mbongo po zambe isala nene wana. Biso toza na posa papa na biso na moni yo lelo zamba peso londi salela biso ndela toza kola na kati ya susite na zambu na mino oyo basoda bakuka ena lobonga na bota mina moko me na za na pasi ndenge na zolo baboyo bobatelanga kwa kotika bato ba kobeta mayi oyo na zolo bapapa po pasi eza bazwa ndako batonga ndako ya molai mesasa à Toranda, il y a 60 portes, et ça qui place à Paki, pour place à tous les amis. Il y a des gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Excellence, ce qui a été avec insistance, les écoles au monde, les gérés pour le gouverneur, la histoire de la carte à regretter aussi. Ce qui est le plus important, c'est que les gens qui ont été en train de se faire, c'est la voie à titre mercenaire. Et ça y passe. Malgré nous, ce sont des choses préparées. Par qui passe, il y a un seul mot, par qui on dit par la couleur de la vie. Mais il y a une pétition.
contradiction, c'est un problème, il y a pas vocable. Par le bien que, par sa réalité marché, mais au bout de l'époque, ça qui sont en sorte dans le marché moderne. En français, c'est la réhabilitation, n'est pas le dit. Réhabilitation est vivre le menu d'excellence. Et c'est pour ton côté, réhabilitation, de toute façon, encore, mais je vous dis, l'administrateur, il a marché, à le dire, mon gouvernement, à ton propos, à le dire que, ton salut, mon bon, il s'est dit, excellence. Les noms, ton salut, déjà, deux mois et demi, pour le score, marché, son salut, et c'est une grosse aventure, excellence. Sortez à l'extérieur, envoyez des gens. Si tu trouveras 10 qui disent ce qui dit nos amis, hier les Goubila quittaient son bureau à 23h. Hier les Goubila envoyaient pour faire nettoyer tous les avenues que vous avez traversées aujourd'hui. Ça fait une année, il fait que mettre les sanités dans les marchés. Bref, je peux vous donner au moment opportun pour qu'ils ne savent pas comment je s'apprête à vérifier par vous. Je suis devant les chefs de l'État de la République démocratique du Congo. Je suis prêt de vous montrer toute la réalité sans que l'adversaire sache parce que je dois me défendre, Excellence. Je reviens au début. Okay. Excellence, en 2004-2005, Monsieur Hassan Morak, je suis ici depuis 41 ans. J'ai choisi ce pays, ma seconde patrie. Je suis là, je travaille, je n'ai jamais aucune fois interpellé. Pourquoi? Je suis toujours tout droit. L'appel d'offre, Excellence, était fait par la ville de Kinshasa.
là où il était un gouverneur, son excellence, monsieur Jean Kimbunda, vice-gouverneur Laurent Batomona Kaka. Et c'était le vice-gouverneur. Deuxième vice-gouverneur, monsieur Benda Poumou. Je me suis soumissionné avec 11 entreprises. Quand ils ont vérifié, toutes les entreprises, ils ont crié qu'il faut fermer les marchés centrales pour qu'on travaille. J'étais le seul qui j'ai à obtenir une garantie bancaire de 10 500 000 $ 2005. Et j'ai accepté de travailler pendant que les frères congolais, là, vidaient cet avion, arrivaient ici, poussez-vous ensemble, pas de problème, parce que ça nous crée des problèmes de vider les marchés. Quand on termine cette passion, je vous ramène, j'ai le silence, les images visibles. Je vous donne les flashs, quand ils me demandent, vous allez regarder sur votre télévision. Deuxième chose, l'inauguration de tous les travaux faits par tous les ministres, tous les vice-gouverneurs, tous les gens et les ministres nationaux aussi, et le gouverneur télévisés dans les marchés. Il y avait l'excellence des gouverneurs de la ville à l'époque et son vice-gouverneur Laurent Batomona. Ils ont crié, c'est ça qui dit le protocole d'accord, un comité de suivi, excellence, présidé par le directeur urbain, chef de division des travaux publics, membre des BTC, membre de l'OVD, membre des syndicats, membre de Safricom, un de nous, membre des gens du marché aussi. Arrêté, signé par le gouverneur de la ville. On a resté ensemble. J'ai accepté de commencer en 2006 les travaux. Ce qui dit notre frère, dommage. Je vous donne avec les éléments, excellence. Moi, je vous donne avec les éléments. Vous allez voir la signature. Il y a des gens qui sont vivants. Vous pouvez les poser les questions. Ils vont vous dire, c'est notre signature. On était là. Et vous êtes les magistrats suprêmes, excellence. Ça veut dire que c'est facile à vérifier en une seconde. Je suis surveillé les travaux. Moi-même, je n'ai pas laissé. J'étais le seul qui a réhabilité. Et dans l'image que je vais vous envoyer, excellent, vous allez voir avant et après. Vous allez dire après, mais toujours il a dit, bien. Pourquoi aujourd'hui la visite de son excellence, monsieur le président de la République, avec beaucoup de respect, au marché central aujourd'hui? Hier soir, excellence, déployer plus de 450 agents. Moi, je suis en train de sillonner toute la nuit, excellence, pour protéger mes biens. Voyez, j'ai les preuves là où il y a une tentative de démolir ces magasins, parfaite d'incendie derrière. Vous avez les services, ils sont là, ils paient. Quand vous l'appelez à côté, excellence, c'est sûrement qu'ils ne vont pas venir pour moi. Mais quand vous-même, excellence, vous donnez l'autre, parce que j'ai des éléments. Mais quand vous demandez, excellence, oui. Mais vérifiez vous-même, excellence. Deuxième, j'arrive encore. Le comité technique de liaison qui était présidé par tous ces terrains. Nous, quand on a réussi, excellence, ce projet, c'est-à-dire les notifications, on a écrit avec une lettre, nous avons, je suis prêt à vous livrer. À son excellence, votre prédécesseur, on l'a dit, on a gagné un marché. Tellement, le marché central, ça veut dire qu'il faut informer les hautes hiérarchies. Ça ne suffit pas d'ouvrir avec le gouverneur seulement. Le président de la République sortant, il écrit, j'ai la lettre, par canal de son directeur de cabinet chez Okutungu. J'ai la lettre qui nous met à la disposition de José Makila et M. Banda Mukalaisung, vice-premier ministre, le ministre des Travaux publics et le vice-ministre des Travaux publics. Banda Mukalaisung était le vice. On crée une commission, excellence. J'ai les éléments avec les synthèses, avec le rapport. Représentant de la ville de Kinshasa. D'abord, présidé par José Makila. Deuxième, son vice-ministre et le directeur du cabinet adjoint, membre de la ville de Kinshasa. Laurent Batomona Kaka, avec des respects à son titre, je ne sais pas il est quoi aujourd'hui.
créer encore les vice-gouverneurs Penda Oumou. Ils étaient membres qui représentent la ville, avec M. Bernard Moulouma, conseiller technique du gouverneur de la ville, et des membres de la BTC, Bureau Technique de Contrôle, des membres au pouvoir de l'OVD, et ce n'est pas des membres, excellence, des PDG, directeurs, parce que c'est le vice-premier ministre, ministre des Travaux publics, qui convoque cette commission. Pour vous montrer quels documents nous avons. Bien. Après analyse, toutes les sociétés qui ont crié et les sociétés qui sont citées dans les conventions et les rapports d'intéressance, ils ont dit, nous, pour qu'on travaille dans cette coin-là, il faut vider le marché. Nous, on a dit, pour gagner ce marché, non. On travaille en paix avec nos amis, les syndicalistes, et sensibiliser les gens. Maman, papa, tata. Ça veut dire qu'on essaye, on s'épouse. C'est ça. Non, attends, excellence, lis ça. Je voulais arriver. Ok, à vous autres. On est arrivé, ils ont à choisir les sociétés africaines parce qu'elles ont rempli toutes les conditions et ils seront à votre main quand vous voulez, excellence. Vous voyez, avec les éléments. On avait à la fin des travaux, j'ai réhabilité, vous allez avoir la file, avec les macadam même, j'ai asphalté tout. Le marché central, j'ai réhabilité les 100 et quelques magasins. Il y a des magasins à cause des égouts. Il y a un comité de suivi, silence. Il n'y a pas un magasin d'écolo et des égouts. Il n'y a pas. J'ai ni devant vous, excellence. Vous n'êtes pas un inspecteur, excellence. Vous êtes le chef de l'État. Je suis où, je sais où. Il n'y a pas un magasin qui a été construit. Excellence, le comité technique de liaison, il est là. Est-ce qu'il s'y attend, il peut venir ici, dans cette salle, sans autorisation du gouverneur, de faire une magasin ici? Non. Bien. Si vous me disiez, venez construire, et vous me donnez l'autorisation de bâtir, vous-même signé par vous le gouverneur, parce que l'autorisation signée par le gouverneur. Maintenant, je fais quoi? Je construis ou bien je dis non? Je construis. Le comité de suivi. Je parle avec son excellence. Excellence, nous avons tout. PV de réception signé Moko Moko. Chaque étape, PV de réception des travaux. C'est supervisé et signé et avalisé par la ville et le comité de technique des liaisons. Que ce comité technique ait travaillé jusqu'à l'arrivée de son excellence, monsieur. Gentilly. Jusqu'à son arrivée, ces gens-là, ils sont disparus. Vous voyez, il n'y a pas moyen pour que les gens ne soient pas morts. On a terminé les travaux en 2011. Il y a des clauses. Barilou est juste de 25 ans à 20 ans. Un à 20 ans. On a dit qu'il n'y a pas de problème. C'est la proposition de la commission ministérielle. Vous voyez, André Kimbuta, à l'époque, était le directeur des cabinets adjoint de Théophile Mbemba. Pour cela, il était le membre qui représentait le ministère de l'Intérieur aux commissions ministérielles qui étaient faites, qui a lancé les travaux au marché central, excellence. J'ai la lettre à vous montrer. C'est José Makila lui-même. Si vous demandez, à tout moment, excellence, les documents ils seront à votre main. Et comme tous, excellence, à votre ordre aujourd'hui, vous pouvez demander, vous allez avoir la précision. Mais quand vous voyez leur signature, vous n'allez plus demander. Mais aujourd'hui, nous, tu sais bien qui a la force, qui peut vous faire peur. Moi, aujourd'hui, pour circuler, vous voyez, je suis toujours brillant. J'ai écrit à la présidence, je suis menacé, ma vie était menacée, excellence. Vous voyez pourquoi? Parce que dans la justice. Bien, dans ce contrat, il y a un avenant qui dit clair, c'est votre droit, excellence. À tout moment, vous pouvez récupérer. C'est votre maison, c'est votre coin. Moi, je suis un investisseur. Même la banque qui va venir aujourd'hui travailler, aujourd'hui, excellence. Si demain, vous voulez lui dire non, gagne à d'accord, Nayoté, vous allez lui dire quoi? Viens, je vais te dédommager, je vais te donner, je vais te réaliser. Au revoir, monsieur. C'est ça, vous récupérez des biens. Bien, allons-y. Maintenant, excellence, depuis 2005, nous on a terminé les travaux avec PV de réception officielle en 2011. Nous sommes 2021.
marché central d'excellence. Hôtel de ville, où ça fait 10 ans construit. Ça, la tour d'excellence, si Saka ici, il est comme depuis 10 ans. Comment là où il y a 35 à 38 000 vendeurs, tous les jours, plus, il y a des gens intentionnés. Excellence, depuis hier, je vous dis, quand son excellence il m'a appelé, il faut être présent demain, le chef, il veut te voir. J'étais directement à l'ordre, vous voyez. Je savais qui seront avec des vignettes et qui ne seront pas. Et je sais, vérifiez bien qui nous sommes nous tous ici. Et après, je sais que tous les services ils sont là, excellence. Bakoku Koyibisayo, à côté, tous ceux qui sont parlés, qui sont. Et les ministres qui vous voulez, moi je suis à votre disposition. Excellence, vous voulez ma conscience? Oui, parlez. Bien, je vais revenir, pardon, arrière. Je vais te dire, mais je peux revenir arrière une minute, excellence. Là, ça va donner beaucoup à ce que tu dis. Je n'ai jamais touché un franc congolais de ce marché. Excellence, nous sommes devant une présidente de la République. Laissez-moi, excellence. Dans cet protocole d'accord, il y a deux volets. Excellence, il y a deux volets. Réhabilitation et construction. Vous réhabilitez, j'ai réhabilité à 2 133 000 dollars. Ça, c'est vous qui avez fait il y a longtemps. J'ai construit. Non, moi, je vous pose la question parce que je viens de passer là, sur le lieu. Je viens de là. Est-ce que vous êtes pour la construction d'un nouveau marché, oui ou non? Bien. À vos ordres, Excellence. Nous sommes dans votre pays. Moi, je me considère aussi que je suis dans mon pays. Oui, allez-y. Je me considère que je suis dans mon pays. Absolument. Parce que j'ai l'honneur de parler devant un chef d'État. Ok. Excellence, le marché central, il n'a pas besoin de réhabilitation. Je te donne la pointe de vue. Quand tu me poses des questions. Vous ne voulez pas de construction. Moi, je ne veux pas, Excellence. Non. Si vous décidez, ça sera fait. Non, votre avis, c'est qu'on ne doit pas construire. Non, non, vous êtes libre. Non, mais ça y est. C'est là, on a dit, pour me comprendre. Oui, voilà. Les marchés malades, Nango, le gouverneur de la ville a tout dit, c'est sans dorsalité. Il y a l'air. Attends. Mais vous pensez mal à la vérité. L'homme Inamoutou appelle les gens de la service sans citer. Si vous me demandez à côté, je te dirai. Le bourgmestre de la commune de Kinshasa, combien de camions il a envoyé de saleté pour jeter dedans? Ça, c'est un. Le marché. Mais ok, d'accord. Attendez, Excellence. Je ne serai jamais contre votre avis, Excellence. Non, ce n'est pas mon avis. Il y avait tout, Excellence. Attendez. Il n'y a plus de. Il n'y a plus de route parce que tout est occupé, etc. Les riverains sont perturbés dans leur vie quotidienne, leur vie normale de quotidien. Donc, manifestement, il y a un problème avec le marché. Donc, pour vous, il faut laisser la situation comme ça. Ou bien, on doit essayer d'améliorer la situation. Excellence, permettez-moi, personne qui peut refuser de les dire dans sa maison après 10 ans. Moi, j'ai fait ça depuis 10 ans, 11 ans, 2011, 2010, j'ai le PV. Qui peut refuser de venir arranger les marchés pour que ça soit... Mes magasins, ils seront en bon. Okay. Ça veut dire, quand tu arranges les marchés, Excellence, donc, ça veut dire, moi, je suis pour réhabiliter, Excellence. Okay. Maintenant, on va à l'étape suivante, par rapport à vos obligations. Vous avez entendu ici des gens dire que vous aviez signé avec la ville le contrat vous engageant à prendre une partie de ce marché et le réhabiliter et sur l'autre partie faire des constructions. Est-ce vrai? Non. C'était quoi les termes du contrat? Il y a un gars qui n'a pas ça compte. Mais les documents, je pense, moi je peux mourir.
qui m'adresse. Est-ce que on a les Excellence. On a le contrat. Excellence, dans les contrats et dans l'avenant, tout article dans ces contrats accompagné par une lettre de commande des travaux. Bien. Qu'est-ce qu'il va vous montrer, son Excellence? Moi, j'ai déposé tous les dossiers ici. J'ai déposé, malgré qu'ils avaient tous les dossiers. Bien. Dans les contrats, il dit quoi? On construit les magasins pour 20 ans. On exploite moyennant un montant de 1 500 dollars en titre symbolique pour la ville, pour dire que le fisc est un peu foncier, quelque chose. Pendant 20 ans pour exploiter, parce que les banquiers ils sont là. 10 542 000 dollars, après 12 ans, ils deviendront combien? Et combien d'années pour récupérer mon argent? Ça, c'est un investissement. Vous avez fait l'emprunt où? Où est-ce que vous avez emprunté cet argent? À quelle banque? Congolaise Banque, Excellence. Okay. On avait tout. Vous avez tous les éléments. Bien sûr. Ça, ce n'est pas une chose cachée. Non, c'est pas. À vous ordres, tout c'est caché. Deuxième volet dans cette convention, réhabilitation des marchés. Et il était présidé de la commission par M. Laurent Batomona Kaka, son Excellence le vice-gouverneur. Le document là. La réhabilitation. On va. Excellence, il y a un problème de... Parce que chaque opérateur économique, Excellence. Il n'y a pas de problème. Il y a les réhabilitations. La réhabilitation, c'était évalué par nous. 2 300 000 gains, par la ville, 2 185 000. On a ajouté celui de la ville. On a dit que le marché central commençait à procéder dans une réunion au sein de l'hôtel des villes. J'ai la lettre et le protocole d'accord signé avec l'ex-maman administrateur des marchés et approuvé par le gouverneur. Retrocéder, ça fait comme chaque jour quelque chose de. Vous voyez, de votre recette. Je n'ai jamais géré les recettes, Excellence. Jamais. Et il fallait vous rétrocéder ça parce que vous avez réhabilité le marché. Oui, contre la réhabilitation. Et quand on termine... Attendez. Ok. J'ai besoin juste d'un ou deux témoins pour dire... Là, il y a un bagage à l'année depuis 2006. Ça, on a signé un contrat. Bon, est-ce que ma caméra ça c'est un jour bas? Et ça, c'est un jour qu'on a réhabilité le marché. Pour ça, du coup, on a essayé de prendre la parole. Je peux répondre si ce qu'il dit est vrai ou pas. C'est une information qui s'est dit. Donc, on n'a jamais réhabilité le marché. On a jamais vu. Et ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Quelques faillances, ça tient. Vous aurez excellence. L'image est la zone ici la yoga émission télévisée déjà pendant une semaine. Mais vous aurez les flashs et vous allez voir. L'image, il y a un an et demi. Qui s'est passé au marché? Ok, on fait ça. Yango, non. Je vais vous donner excellence. Avec même le malade. Quand il m'a canard, je suis le premier qui m'a dit. Au lieu de faire mon temps, c'est pour ça qu'il n'y a pas l'image. C'est pour ça qu'il n'y a pas l'image. Ah, ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez tort, vous allez réparer les préjudices que vous avez commis sur tous les. Ça, c'est certain, ça rassure. Babylon,
Et
this discussion, you must still have any issue, any outstanding issue, or ready the governor and Suprema in the bridge. And if that's the case, when can we start? We don't have any issue, Mr. President. It is in clear, the line is clear. We are ready to work immediately with Suprema and the Bridge Kinshasa. As soon as they are ready, we are ready. Après explication, les bains ont conduit à organiser, à les disposer pour accompagner vite à son chemin pour ton rabino Benzias. Société EGIS française, Yéné Akotonga, a une expérience internationale. Azoto la paix en face, c'est pas avec les soeurs. Donc, Yéné Akotonga, c'est comme ça. Oui, mais ça, on a eu un peu de temps. Azali, présence, c'est que vous avez un contrat à vie. Est-ce que vous avez un petit de l'eau aussi à nous contacter parce que Papa Wana a récupéré ma demande. C'est-à-dire que le contrat est venu dans nos dés parce qu'il a opposé. J'ai bien compris. C'est vrai? Oui, monsieur Hassan. Silence, non. Je n'ai jamais été au courant de ce contrat. Non, vous n'avez jamais bloqué? Je n'ai jamais été. Quand son excellence. Non, ça va. C'est pas nous expliquer. Quand son excellence. Vous avez dit que vous n'avez pas fait. Mais... Moi, je n'ai jamais bloqué. Vous n'avez pas fait. Alors, oui, le problème. Pour savoir. Merci beaucoup, Excellence, je suis présent pour le Yogan. Ça me vaut ça d'être. Et puis, objectif, il y a commission dans la commission, ils allaient pas qu'il y ait des quotas là. Ici, quand on a été mis en attendant, pour tout y ait pas ce qu'on a dans ma condition, madame. Ce qui est dans ma condition, madame, vous êtes ville, et vous allez obliger les commissaires d'amener dans ma condition, pour vendre l'espace. La condition de la mine, pour vous en avez dans la Kenya, les Cambodges comme la minorité pendant que vous avez ici avant. Voilà. Merci. Tout le monde en balassima. Il faut leur battre la bonne.